On va passer la parole à Jean-Rémy Chardonnet, qui est maître de oui, conférence à l'École nationale des arts et métiers, au sein du laboratoire d'ingénierie des systèmes physiques et numériques. Il s'intéresse notamment à la réalité virtuelle. On va reparler réalité virtuelle et à ses effets sur l'homme plongé dans, dans ce type d'environnement. On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure avec Camille. Si tu es avec nous, Jean-Rémy, en tout cas, on voit, okay. on, on voit ta présentation. Bienvenue. Euh, Est-ce que vous m'entendez voilà. ou pas? Oui, c'est parfait, c'est parfait, parfait. bonsoir Ok, bah merci, bah, en tout cas ouais, je souhaite remercier Vincent de m'avoir convié à, cette présentation, à présenter dans cette journée donc effectivement je vais parler de réalité virtuelle qui en apparence ne concernera pas forcément de lien direct avec le sport ou l'IA en fait, moi je vois la réalité virtuelle comme un, comme un outil en fait, qui peut être au service de, du sport et en fait l'IA on va l'utiliser pas directement pour le sport mais en fait pour la réalité virtuelle et donc du coup euh, pour améliorer justement bah, le, cet outil, on va dire, au service des, du, du sport. Alors, l'idée de, de la présentation aujourd'hui, c'était de, de, de parler de, du, du recentrage, ce que j'appelle du recentrage de la réalité virtuelle sur l'humain. Euh, je je montrerai un petit peu ce que ça veut dire concrètement, mais euh, l'idée, c'est euh, de dire que bah, okay, la réalité virtuelle, c'est quelque chose qu'on qu voit de plus en plus à droite et à gauche, euh, sauf que… Bah, la, le, ces outils-là, en fait, ne, ne, ne tiennent pas forcément compte de, de l'utilisateur qui, euh, qui a ces outils en main. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de voir comment est-ce que bah, la réalité virtuelle, justement, enfin comment est-ce que, à travers l'IA, mais aussi en étant un petit peu plus judicieux, un petit peu plus malin, on arrive justement à, à proposer des, des expériences qui soient vraiment adaptées euh, aux utilisateurs lambda hein, quel que soit le, le domaine euh, évidemment le sport en fait partie. Alors euh, pour replanter un petit peu le, le décor là donc je vais euh, juste rappeler ce que c'est la réalité virtuelle parce que c'est un mot qui malheureusement est assez galvaudé euh, de nos jours enfin on entend beaucoup parler de la réalité virtuelle mais l'objectif la réalité virtuelle c'est de permettre à un ou plusieurs utilisateurs une activité sensori-motrice. Euh, dans un monde qui est synthétique. et donc Autrement dit, ça veut dire qu'on qu donne la possibilité à un utilisateur d'être pleinement immergé dans un environnement virtuel hein, ou synthétique et d'interagir avec lui. Le côté sensorimoteur, euh, il est dans l'interaction qu'on a avec l'environnement. Alors Dès qu'on a compris ça, qu'il y a le sensorimoteur, euh, le synthétique, l'immersion, on comprend que, bah, par exemple, alors dans l'interaction, souvent par exemple c'est la navigation, la manipulation, hein, mais on comprend que du coup la visualisation de vidéos 360 degrés, par exemple, euh, ce que certains présentent ça comme la réalité virtuelle, mais non, ce n'est pas la réalité virtuelle parce que on n'est pas dans un monde synthétique ou généré par ordinateur, on va dire, on n'interagit pas avec le, 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 la vidéo, c'est-à-dire que on n'a pas d'activité motrice, on peut avoir une activité sensorielle, mais pas d'activité motrice, euh, donc ce n'est pas la réalité virtuelle. Pareil, ce n'est pas parce qu'on met un casque de la réalité virtuelle sur la tête qu'on a tout de suite la réalité virtuelle. Enfin, un casque immersif, ce n'est pas, pas forcément la réalité virtuelle derrière. Euh, donc, c'est donc important de bien, de bien remettre un petit peu les choses là-dessus parce qu'on euh, voit souvent des, un peu tout et n'importe quoi, on va dire, dans les, dans les médias. Et même des gens qui font, soi-disant, de la réalité virtuelle, en fait, n'en font pas vraiment. Donc, euh, voilà, c'était pour, pour remettre un petit peu les, les points sur les i sur ce, à ce niveau-là. Mais d'une fois qu'on a compris cela, après... Mais du coup, les possibilités sont, sont infinies parce qu'on peut imaginer, du coup, avoir des applications dans tous les domaines. Alors, il n'y a pas que l'industrie, la formation, la santé, le patrimoine qui utilisent déjà cette, cette technologie depuis longtemps, mais le sport également est un, est un domaine qui s'intéresse de plus en plus au, à la réalité virtuelle. Là, vous voyez par exemple, alors, ça, c'est un projet qu'on a développé. Euh, avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, pour développer un simulateur d'attelage équestre. L'attelage équestre, c'est un, un sport de, de, de haut niveau, euh, un petit peu particulier. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir. Mais euh, l'idée, c'était de développer un simulateur qui permet d'apprendre un geste technique qui est extrêmement compliqué à apprendre, en fait, à enseigner, parce que on, pour le définir, c'est compliqué. Et donc, du coup, quelqu'un qui apprend euh, à, à, à manier un attelage équestre n'arrive pas forcément à comprendre en fait la toute la subtilité du, du geste derrière. Donc l'idée de, de de disait virtuelle. On n'est pas forcément en immersif, hein. on peut utiliser un écran quelconque d'ordinateur, mais on pourrait très bien utiliser un casque d'unité virtuelle. En fait, le support de visualisation n'a pas vraiment d'intérêt, enfin de, de beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est en fait qu'on arrive à, à développer une, une simulation qui soit, on va dire, réaliste. Réaliste étant ici, euh, qui provoque des, des, un comportement qui soit... Euh, semblable à la réalité, c'est-à-dire que aussi bien du côté de, du cheval virtuel que de, de la personne qui va manier le cheval virtuel, on a exactement les mêmes comportements, en tout cas des comportements semblables à la réalité. Et ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est que euh, on est capable de simuler, enfin, de paramétrer autant, comme on veut. Tout ce qu'on veut dans la simulation. C'est-à-dire que euh, si on veut simuler un, une, une certaine situation ou une autre certaine situation, on est capable de le faire simplement entre guillemets, en tournant des potards. Et donc, c'est tout l'intérêt d'utiliser la, la réalité virtuelle, c'est que bah, du coup, on s'affranchit finalement d'utiliser bah, des, des vrais chevaux des, des vrais ou des vrais, euh, des, des vrais dispositifs, enfin des vrais, des vrais systèmes, on va dire, euh, et qu'on peut reproduire du coup à l'infini. De, de, une situation sans avoir des problèmes de sécurité, de fatigue, de tout ce que l'on veut. Quoi. Alors un d'autres exemples qu'on a qu'on a développé et qu'on continue à développer. Donc là vous voyez euh, un certain nombre d'images à droite euh, qu'on a développé avec le, le psy de répit, là, à Dijon euh, sur euh, sur en fait l'aspect euh, on va dire émotionnel et euh, psycho euh, sociaux de, 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 de des, des joueurs. Euh, donc en bas à droite par exemple on a une on a une, une, une capture d'écran d'une application qu'on a développée pour euh, voir un petit peu comment un supporter de, de joueurs de foot euh, s'identifie à son groupe lorsqu'il lorsqu regarde un match de foot. Et Donc l'intérêt, c'est bah, on l'immerge on au milieu d'un groupe qui peut être aussi bien son groupe. Pour lequel enfin, de, de, de fans, on va dire, que le groupe adverse. Et on regarde un petit peu comment il va réagir en fonction bah, de ce qui se passe dans le match, en, en fonction de, de ce qu'il voit autour de lui, c'est-à-dire de comment le, le, les avatars, enfin les, les personnages virtuels qui sont autour de lui vont réagir en sachant qu'on peut, encore une fois, paramétrer ces différents, les comportements des différentes. Euh, différentes différents agents virtuels un petit peu comme on le souhaite et donc du coup c'est intéressant pour voir comment est-ce que la personne réagit la personne réelle va réagir par rapport à cela par rapport à l'identité qu'elle peut avoir avec son groupe et là, une autre application, là qu'on est en train de développer dans le cadre d'un projet euh, en vue des, des JO là, de, de Paris euh, en 2024. Euh, donc là, il s'agit d'une un, application. Euh, alors, on n'est pas forcément dans un casque. Hein, vous voyez qu'on est dans un cube immersif euh, qui fait 3 mètres de côté là. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on plonge un rugbyman dans un, dans un stade. Avec une foule, avec du bruit, avec éventuellement de la météo qui est, qui est fluctuante, euh, avec d'autres joueurs virtuels. Et on regarde un petit peu, là, donc là, ils s'apprêtent à tirer en fait, entre, les, entre les poteaux. Et, et on regarde, en fait, euh, bah, quelle est l'influence de ces différents paramètres. Que ce soit la, 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 la foule, est-ce que la foule va, va huer le, le, le joueur ou au contraire elle va le soutenir Est-ce que, les, les, est -ce que le, le, le bruit ambiant va va, va influer Est-ce que la météo va influer Est-ce qu'il euh, va se sentir soutenu par ses coéquipiers, etc. De voir comment ça va se, se traduire sur l'état mental, l'état psychologique du, du, du joueur en sachant que c'est une cette situation un peu de stress. Et donc la réalité virtuelle permet du coup de reproduire des situations qu'il pourrait connaître, qu'il connaît dans la réalité et du coup de de, de pouvoir l'entraîner mentalement, on va dire, euh, à, à surmonter des, des, des situations qui pourraient être un petit peu délicates ou un petit peu compliquées pour lui. Et donc tout ça, on le fait sans avoir à utiliser un vrai stade en demandant à, à 10 000 figurants d'être dans un stade, etc. Donc c'est quand même un, un avantage que, que, que la réalité virtuelle possède. Alors le problème de, de, de la réalité virtuelle, enfin, il, y en a, il y en a quand même plusieurs euh, qui ne sont pas des moindres, puisque bah, en fait, le, le, on sait que la technologie a un effet sur, sur l'utilisateur. Sur Par exemple, vous avez peut-être fait des, des, des expériences où on vous a mis un casque d'arrêté virtuelle et puis on vous a mis à une montagne russe et euh, peut-être que vous vous sentiez malade. Et ça, c'est effectivement un gros problème en fait, que l'on a avec l'arrêté virtuelle. C'est que qu'on ben, on, on enfin, a quelques théories qui expliquent pourquoi on peut tomber malade, effectivement. Mais euh, un mécanisme qui est encore assez complexe et ça mène généralement à un rejet de la réalité virtuelle. On a vu souvent des gens qui dès qu'ils mettent un casque, hop, ils l'enlèvent aussitôt parce que ça, ils ont envie de vomir en fait. Donc, il euh, y, y a quand même une problématique à ce niveau-là euh, où, euh, bah, en fait, on, on immerge quelqu'un dans un environnement virtuel qui est trop finalement qui est trop réaliste. Ou en tout cas qui, euh, qui donne l'impression pour le cerveau que effectivement on est on est vraiment dedans. Euh, sauf que il bah, y a un conflit en fait qui va se produire entre ce que le cerveau va enfin ce que les yeux par exemple vont percevoir de l'environnement, vont voir de l'environnement, et puis ce que bah, l'oreille interne, par exemple va, va, va percevoir du mouvement euh, qui, qui qui est perçu par par, par les yeux. Donc euh, alors après il existe divers moyens hein, de, de de remédier. Entre guillemets, alors c'est pas vraiment remédier, c'est surtout euh, diminuer, enfin diminuer un petit peu ou euh, en tout cas atténuer les effets du, de ce qu'on appelle le cybermalaise là de ce, ce malaise caractéristique euh, qui sont assez euh, variés. Mais euh, du coup, le, le, le problème, c'est que bah, pour moi, ça reste surtout des, des rustines, c'est-à-dire que en fait, souvent ce que les gens font, enfin, dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que bah, les euh, les, les, les gens ils développent un truc et ils disent ok ça marche ça réduit un petit peu le mal de simulateur puis hop on passe, au, on passe à la suite mais finalement ça n'intéresse pas vraiment au fond du problème pourquoi est-ce que ça rend malade et qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour, 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 pour changer cela quoi. un autre problème euh, du coup et, enfin, qui, qui, qui est potentiellement lié c'est que bah, euh, on, ce qu'on appelle l'intuitivité de l'interaction c'est à dire que si vous voulez demander à un sportif par exemple de s'entraîner à courir à faire un sprint par exemple sur 100 mètres, bah, quand vous êtes en réalité virtuelle, alors effectivement l'environnement virtuel, vous pouvez le faire en sorte qu'il fasse 100 mètres l'environnement, mais en physique. Ben évidemment, vous ne pouvez pas le, le mettre dans un environnement physique qui fasse 100 mètres de, de longueur parce que vous serez limité par la technologie. Si vous avez un casque, ben vous serez limité par des capteurs de, qui, vous, qui suivent votre mouvement. Ou si vous êtes dans un cube immersif, ben les cubes immersifs, généralement, ça ne fait pas plus de 3-4 mètres de, de côté. Donc, ce n'est pas possible de, de, de courir sur 100 mètres pour de vrai. Donc, du coup, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle des métaphores d'interaction, c'est-à-dire, euh, en gros, on va donner l'illusion que euh, ce que la personne fait comme mouvement est, est réellement un mouvement de, de, de marche ou de course ou de autre chose. Et donc, euh, là, je vous ai mis un tableau qui, qui présente, en fait, euh, un certain nombre de, de techniques qui existent dans la littérature, il en existe beaucoup plus, évidemment, mais vous voyez que si on regarde les critères en termes d'affordance, donc euh, ce que, enfin, euh, le, le, comment, comment l'objet arrive à... à, à à donner l'intuition la, 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 de comment on utilise cet objet, l'ergonomie ou le, le cybermalaise, on voit que finalement, à part la marche naturelle, enfin, à part le mouvement naturel, le, le vrai mouvement, il n'y a pas vraiment de technique qui permette justement d'arriver à, à, à reproduire un mouvement qui soit, qui soit finalement fidèle à ce que la personne a l'habitude de, de faire. Après, il y a un autre problème également qui, qui, peut, qui peut exister. Enfin, en tout cas que moi je vois qui est important et c'est un petit peu le cœur justement de, de mon propos c'est de dire bah, on est tous différents et euh, enfin même que euh, qu'on soit un homme une femme une, une, ou euh, d'autres personnes euh, jeunes moins jeunes etc on a, on a tous notre, notre façon de voir les choses à toute notre, notre façon de d'être euh, et de se comporter on a tous un vécu différent et donc euh, en fait on, on sait que bah, selon le sexe selon l'âge selon même l'origine ethnique selon l'expérience qu'on a éventuellement du jeu vidéo, ben on sait que ces différents paramètres-là vont avoir une influence sur l'expérience en réalité virtuelle qu'on va avoir, et en particulier euh, le fait qu'on qu tombe malade plus ou moins facilement. Euh, par exemple, il y a des études qui montrent que les, les femmes ont tendance à tomber un peu plus malades facilement que les, euh, plus facilement en tout cas que, que, que les hommes, pour des raisons qui sont purement biologiques, en fait. Hein, aussi, il, y a aucune, euh, enfin, il y a des gens qui se sont interrogés si la réalité virtuelle était sexiste, mais à, 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 pas du tout, en fait. C'est juste pour des raisons biologiques pures, hein, de constitution euh, biologique du, du corps, qui fait qu'on voilà, est, on est différent à ce niveau-là. Mais, mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on bah, ne peut pas immerger quelqu'un, un, enfin, on ne peut pas mettre un cas de réalité virtuelle sur une personne de la même manière qu'une autre personne. Alors, le problème, c'est que euh, quand on regarde un peu la réalité virtuelle, comment elle s'est construite et comment elle s'est développée, euh, elle a été développée par des, par des informaticiens. Et en fait, un remédissant qui, qui euh, finalement ne, ne, ne s'intéressait pas spécialement à ceux qui, à, enfin, aux personnes qui allaient utiliser les dispositifs. C'est ce que j'appelle l'uniformité, c'est-à-dire que euh, tous les dispositifs ont été développés, euh, peu importe que la personne comprenne ou pas comment ça fonctionne. Et, euh, et donc, euh, à un moment donné, bah, euh, il faut bien quand même faire le lien puisqu'on est tous différents, donc on va avoir tous une expérience différente. Et donc, il faut quand même faire à un moment donné le lien entre bah, ces dispositifs qui existent et puis la, la, la personne, l'utilisateur en tant que tel, euh, même si elle est différente des autres. Même si, voilà. Et donc, l'idée de recentrer sur l'humain, c'est de dire, bah, la réalité virtuelle, par définition, puisqu'on on interagit avec un environnement virtuel, donc on est acteur en fait, au premier plan hein, de, de ce qui se passe en réalité virtuelle, bah, on se rend compte qu'en fait, la réalité virtuelle n'est pas vraiment centrée sur l'humain au sens, au sens propre, puisque bah, finalement, c'est à l'humain de s'adapter au système et pas l'inverse. Ce n'est pas au système de s'adapter à l'humain. Et donc l'idée de, de, de proposer quelque chose qui est une réalité virtuelle recentrée sur l'humain, c'est de dire à un moment donné, bah, dans, quand on conçoit un système de réalité virtuelle pour, pour un usage X ou Y, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir intégrer les caractéristiques en fait, de, de, de la personne qui va utiliser le, le, le système. Et donc de personnaliser en fait, l'expérience en fonction de, du profit de l'utilisateur. Et donc ça m'amène à, 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 à parler de ce que j'appelle le Smart VR. Alors je ne parle pas d'Intelligent VR, vraiment je parle plutôt de Smart VR. La différence est, est, est assez subtile. Mais euh, et, et, où l'idée en fait c'est. Euh, c'est d'être un petit peu plus euh, malin, on va dire. Ce n'est pas forcément se, se, se fier uniquement à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi de, de, de se baser aussi sur l'intelligence du concepteur. C'est-à-dire que en fait, dans le Smart VR, l'idée du Smart VR, c'est d'avoir aussi bien l'intelligence, enfin, on va dire réelle, c'est-à-dire l'intelligence de, de la personne qui va concevoir le système ou qui va concevoir l'application, et l'intelligence en même temps de la machine, l'intelligence artificielle, qui va éventuellement suppléer si jamais il y a, euh, il y a, il y a une limite au niveau de… Euh, au niveau du concepteur, mais l'idée, c'est de, de ne pas se, se fier uniquement à la machine, mais c'est aussi de dire à un moment donné, bah réfléchissons un petit peu, est-ce qu'on peut pas être un peu plus malin que simplement euh, mettre des, des un algorithme de, de, de artificielle. Et donc, euh, ce qu'on a fait en fait au, au niveau des arts et métiers, là, on a travaillé un petit peu sur les deux aspects, de voir comment est-ce qu'on pouvait justement être un petit peu plus malin, un petit peu plus judicieux euh, dans l'utilisation des systèmes de réalité virtuelle, en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Et d'un autre côté, de voir si l'intelligence ben, artificielle pouvait nous aider aussi à améliorer finalement ces, ces technologies-là euh, pour, pour répondre finalement aux, aux besoins de, 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 des utilisateurs. Alors, si on regarde par exemple l'intelligence du concepteur, entre guillemets, euh, là, on s'intéressait par exemple sur, un, sur, un, sur une problématique euh, donc, liée au cybermalaise et, euh, et à la navigation, c'est-à-dire lorsque je vais marcher par exemple en environnement virtuel, euh, comment est-ce que je vais faire en sorte de ne pas tomber malade quand je vais marcher et donc euh, on s'est intéressé un petit peu à, à, à l'état physiologique des personnes en temps réel c'est-à-dire qu'on a mesuré alors soit de différentes manières hein, on l'a fait avec euh, la stabilité posturale par exemple donc de mesurer euh, bah, la balance voir un petit peu comment est-ce que la personne se tient euh, sur une balance posturale ou en utilisant des capteurs euh, divers et variés là des capteurs par exemple d'activité électrodermale ou, ou autre et de voir comment est-ce qu'on pouvait en fonction de l'état physiologique qui nous donne un indice de, 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 de niveau en fait, de, de mal, de mal de, de simulateur, de cybermalaise, comment est-ce qu'on pouvait adapter cette, euh, la navigation finalement pour que la personne ne soit jamais malade finalement. Et, donc, et, et, et tout ça sans renverser la table complètement, c'est-à-dire sans concevoir de nouvelles interfaces, sans concevoir de nouvelles, de nouvelles métaphores d'interaction, etc. Juste en utilisant ce qui existe déjà dans, dans, dans la réalité virtuelle, qui marche très bien, enfin qui marche à peu près bien, mais simplement en étant un petit peu plus malin, en utilisant ces dispositifs de manière un petit peu plus judicieuse. Et donc, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un bracelet d'activité électrodermale, là, qui, bon, qui ressemble à une montre. Euh, dont on sait que bah, l'activité est sensible effectivement à, au niveau de cybermalaise là où vous avez en haut une courbe là, qui monte une personne qui, qui navigue en environnement virtuel et euh, bah, au fur et à mesure qu'elle navigue bah, le, son activité de mal monte ce qui montre qu'elle bah, elle, elle tend à être de plus en plus malade et donc ce qu'on a réussi à faire c'est faire en sorte que cette activité là euh, reste, on va dire, constante pratiquement sur toute la durée de la, de, 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 de la navigation. Donc là, c'est la même personne hein, qui navigue dans le même environnement, et en fait, on, on se rend compte que la personne, ben, finalement, elle est, elle, est, elle, est, elle est pas malade. Et comment on a fait Simplement, ben, en intégrant dans les lois de commande qu'on va utiliser pour la navigation, par exemple, la, la, la variation d'activité électrodermale. Là, donc, c'est la dérivée qu'on voit ici en fonction du temps, donc en temps réel, on a directement du coup l'indice le, 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 de, de, de la sévérité du mal de simulateur. Donc si jamais la personne est de plus en plus malade, bah, euh, du coup... Euh, euh, le, le système adapte la navigation pour que, voilà, pour pas pour pas rendre la, mal, la personne trop malade. Donc, elle va diminuer par l'accélération de navigation. Et inversement, si le, le système se rend compte que la personne est moins malade, bah, du coup, euh, les, les niveaux d'accélération vont pouvoir augmenter. Et donc, on c'est juste en en rajoutant ce, ce terme-là, on arrive à avoir des résultats intéressants où on, on, on réduit significativement en fait le, le, le malaise qu'on peut avoir. En, en, en simulation, enfin en tout cas en, en réalité virtuelle, sans euh, modifier la performance de navigation, c'est-à-dire que les personnes vont pas euh, faire moins de, 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 de distance ou parcourir moins de distance ou euh, aller moins vite ou euh, voilà, non, simplement, euh, enfin ils vont ils vont même aller presque aussi loin qu'une qu personne qui à qui on n'aurait pas adapté la navigation. Euh, et donc ça c'est intéressant parce que du coup on n'a pas besoin de concevoir de nouvelles interfaces ou de nouvelles techniques de navigation. Juste parce qu'on s'intéresse à l'utilisateur, ce que personne d'autre ne faisait avant, bah, du coup, on arrive finalement à, à améliorer son expérience, on va dire, en termes de, de, de cybermalaise. Alors évidemment, ce n'est pas forcément fiable parce que bah, selon le, le, le type de, de, de mesures physiologiques que vous prenez, euh, on va avoir des différences entre les personnes. On sait que, par exemple, l'activité bah elle varie sensiblement d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui, euh, bah, qui, qui ne donnent absolument rien comme valeur. Au niveau de l'activité mal donc évidemment ça ne marchera pas pour eux. Si jamais ils tombent malade, bah, on ne le saura pas forcément. Euh, pareil, est-ce que c'est prédictible ou pas Ça ne l'est pas forcément parce que, enfin, ça ne même pas du tout parce que bah, le système il s'adapte une fois que l'expérience le, 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 a commencé. Donc, euh, donc évidemment, bah, si jamais le, la personne tombe malade dès le départ, c'est trop tard en fait. On ne peut plus rien faire, la personne est malade et est malade. Donc, euh, donc en fait, on ne peut pas prédire vraiment le, 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 d'un point de vue. Pour un problème technique, on va dire, on peut pas prédire en fait ce qui va se passer par la suite. Et donc c'est là où euh, on s'est intéressé finalement à la partie intelligence artificielle pour du coup euh, prédire finalement en avance de phase ce qui va se passer au cours de la simulation et en particulier ce qui va se passer en termes de, de cyber Donc Là, on a utilisé, enfin on a fait un travail avec un doctorant euh, en utilisant des, du deep learning là pour voir un petit peu comment on pouvait euh, prédire finalement à partir d'un certain nombre de données qu'on avait par ailleurs d'expériences de, précédentes hein, sur euh, sur les, la navigation en environnement virtuel comment est-ce qu'on pouvait euh, prédire en fait l'occurrence du cybermalaise et le niveau de enfin, la sévérité du, du cybermalaise et donc euh, en comparant après avec d'autres mesures type questionnaires hein, qui sont assez classiques en réalité virtuelle hein, où on peut mesurer la, comment la personne se sent en fait hein, d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, physiologique là euh, bah, du coup, on a, on, a, on a pu avoir une, une, une bonne corrélation en fait, entre ce que le système avait prédit en termes de cybermalaise et ce que les personnes finalement, ont répondu à la fin en disant bah, ⁇ Oui, effectivement, je, je, je me sens mal, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai les yeux qui, qui pétillent, etc. ⁇ Donc voilà, on, a, on arrive finalement à, avoir des, à arriver à prédire quelque chose, mais il nous faut des données, évidemment, pour pouvoir le faire. Euh, L'étape d'après qui, qui, euh, qui a été menée, c'était comment justement on pouvait, dans ce cas-là, adapter l'expérience utilisateur en fonction du profil utilisateur. C'est-à-dire que bah, l'idée, c'est que le système connaisse finalement l'utilisateur en avance de phase et donc de dire Ah, bah lui, c'est quelqu'un qui, 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 qui risque d'être malade, donc je vais adapter l'expérience. Le, euh, la navigation ou autre pour que cette personne ne soit pas malade et donc on a utilisé des, euh, un mélange de, de, de logique floue et puis de, de réseaux de neurones là pour euh, en fonction de, de l'âge de la personne en fonction de son expérience de jeu puis on a pris également son origine ethnique parce qu'on sait que ben voilà en fonction de, de, de l'origine ethnique on, on a des différences de, en termes de de sévérité de mal de simulateur. On donne tout ça à Moulinet et le système nous dit Ok, il nous donne en gros un profil utilisateur et il dit Voilà, ok, cette personne-là va être malade et euh, cette personne-là ne sera pas moins malade. Donc, euh, je vais adapter la vitesse de navigation, par exemple, en fonction de, de ce profil-là. Et on a obtenu des résultats assez intéressants dans le sens où on arrive effectivement à avoir des, des, des corrélations euh, euh, en termes de. de en, entre, entre, bah, en, encore une fois, entre ce que la personne va, euh, va euh, indiquer dans ces questionnaires de, 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 de mal de simulateur et ce que la, le, le système va pouvoir euh, va pouvoir adapter c'est-à-dire en gros bah, quand le système se sera adapté au profil utilisateur euh, en gros la personne va être moins malade normalement la personne devrait être moins malade et effectivement quand on regarde ce que les personnes répondent on se rend compte qu'effectivement les personnes sont moins malades euh, que ce qu'on imaginait enfin qu'on qu aurait pu imaginer si jamais on n'avait pas adapté en fonction du profil utilisateur alors le problème de cela, c'est qu'il bah, faut quand même demander avant à l'utilisateur euh, bah, c'est quoi son âge, c'est quoi son expérience de jeu, etc. Il faudrait aller encore un petit peu plus loin en disant bah, en fait, ce serait au système de déterminer automatiquement, dès que le, la personne met le casque, ok, bah, euh, cette personne, elle a à peu près tel âge, elle, a, euh, elle semble avoir telle expérience de jeu, etc. Et donc, automatiquement, il va adapter l'expérience. Euh, ça nécessite quand même pas mal de. de, de de, de données et puis euh, comme des algorithmes assez puissants. Hein, enfin, on a déjà testé des choses, par exemple des, des, des systèmes là, qui détectent simplement par, par la photo l'âge de la personne, mais ça, ça ne marche pas très bien généralement. Donc, moi, par exemple, euh, quand j'ai essayé ça, j'avais 15 ans de moins que ce que, que, ce que j'ai réellement. Euh, donc, évidemment, ça pose problème en termes de, de, de fiabilité, mais euh, il faudrait en fait là, normalement pouvoir arriver à, à cela. Un dernier point qu'on a, alors c'est pas moi directement qui ai travaillé dessus, mais un de mes collègues qui a travaillé dessus euh, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle justement pour euh, aider à, la, dans la, enfin, à améliorer les systèmes de réalité virtuelle, c'est la caractérisation du mouvement pour la prédiction de mouvement. C'est-à-dire que euh, donc on a, on, a un, on a un collègue là qui euh, bon, qui est plutôt mathématicien on va dire et donc il a travaillé sur euh, sur des, des outils topologiques, en particulier la persistance homologique là pour euh, pour pouvoir classifier en fait, des données, des, 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 des mouvements, euh, et donc pouvoir ensuite détecter, enfin prédire. Lorsque la personne va commencer à faire un mouvement, prédire en fait la, la, la fin du mouvement. Et donc, il a, euh, il a utilisé la persistance homologique pour créer des, des, des signatures topologiques, hein, comme un, un code-barre finalement, qui permettrait d'identifier, voilà, ce mouvement-là que la personne est en train de faire. Ben, c'est un mouvement, c'est par exemple, c'est un mouvement, je lève le bras d'une certaine manière, ou je lève la jambe d'une certaine manière. Et ce qui, ce qui est intéressant, puisque du coup, euh, en utilisant des, 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 des outils, par exemple, de, de support de vecteurs machines ou des, des méthodes, enfin, des réseaux de neurones, on arrive à des, des, des précisions de prédiction de l'ordre de 80, enfin entre 80 et 95 ce qui n'est pas trop mal. Alors, il faut voir que ça a été fait quelques années déjà, mais ce qui n'est pas encore trop mal. Le problème, c'est que ça nous, on, a, on a vu qu'on avait des temps de calcul qui étaient plutôt... Élevé par rapport à ce qu'on a besoin d'avoir en réalité virtuelle, puisqu'en réalité virtuelle, on doit être temps réel. On ne peut pas se permettre d'attendre que l'ordinateur le, le, calcule pour pouvoir interagir. Donc, il faut que ce soit immédiat. Donc, en fait, euh, c finalement, c est, c est, ces travaux-là sont plutôt préliminaires, on va dire, à ce qu'on pourrait imaginer. Pour, pour améliorer finalement l'interaction en réalité virtuelle. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser, de, de s'intéresser enfin de, de, de justement à la classification de mouvement et puis du coup à la prédiction de mouvement euh, Tout simplement parce qu'on bah, peut imaginer après, par la suite, pouvoir euh, du coup donner ça à un système de réalité virtuelle et lorsque un utilisateur, par exemple un sportif, euh, va s'apprêter à, à faire une action, bah, du coup l'environnement va réagir en fonction mais va savoir. Avant même que la, la, la personne ait fini le mouvement, du coup, qu'est-ce qui va se passer C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que la personne ait fini le mouvement pour pouvoir comprendre en fait que la personne a fait ce mouvement-là. Et donc, ça, du coup, ça permet d'avoir des environnements beaucoup plus réactifs et beaucoup plus, euh, beaucoup plus interactifs finalement que ce que, euh, que, ce qui existe actuellement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, et là, c'est des pistes que je propose pour, euh, pour aller vraiment plus loin, euh, c'est de dire, bah, si on veut finalement. Euh, améliorer l'expérience en, en réalité virtuelle et du coup que ça, ça devienne un outil qui soit vraiment euh, intéressant à utiliser, bah, on peut euh, imaginer deux, deux pistes principales. La première, c'est en fait c'est en, en fait, des pistes qui, en, qui renversent un petit peu la table hein, chaque, euh, à chaque fois, c'est-à-dire on remet un peu tout à plat plutôt que de remettre à chaque fois des rustines qui vont essayer de, 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 de corriger euh, grossièrement finalement ce que, les, les problèmes. Le premier point, c'est de dire bah, en fait quand on interagit en, en réalité virtuelle, ce n'est pas nous qui, qui interagissons directement, c'est en fait notre avatar, c'est-à-dire la représentation, notre, notre représentation dans le monde virtuel, qui va interagir. C'est le principe de l'avatar. Et en fait, l'avatar lui fait que suivre finalement, euh, on fait que animer l'avatar dans, dans cet environnement virtuel. Or, une, une idée qui serait intéressante, ça serait de pouvoir rendre euh, semi-autonome quelque part l'agent, enfin cet, ce, ce, cet avatar, donc en faire un agent semi-autonome pour pouvoir du coup créer ce qu'on va appeler un jumeau virtuel de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'avatar en question, ben, il aurait exactement le même, les mêmes caractéristiques que la personne qui, qui l'utiliserait. L'idée, c'est de dire, ben, est-ce que l'avatar finalement, c'est okay, une représentation, mais est-ce que c'est vraiment une, une représentation qui est fidèle à, à moi Et donc, euh, L'idée du jumeau numérique, c'est à partir de l'état euh, en temps réel de la, de la personne, alors ça peut être un état physiologique ou psychologique, euh, mental, tout ce qu'on veut, euh, c'est de créer un modèle personnalisé de cet avatar en temps réel qui se mettrait à jour en fonction de l'humeur de la personne, en fonction de, de, voilà, de comment elle se sent, etc. Et à partir de là, du coup, pouvoir prédire directement l'intention de l'utilisateur et son évolution en utilisant les méthodes que, que je vous ai montrées tout à l'heure, par exemple les approches topologiques, pour pouvoir, du coup, euh, augmenter, finalement, l'interaction en réalité virtuelle et, du coup, avoir un environnement qui soit beaucoup plus réactif, beaucoup plus euh, euh, proche, finalement, de ce qu'on peut avoir. Euh, actuellement, c'est-à-dire un environnement qui permet d'avoir une, une réaction qui est vraiment naturelle et vraiment semblable à la réalité. Un autre, euh, un autre axe, enfin le second axe que qu'on qu essaye d'imaginer là, euh, c'est ce que j'appelle alors c'est complètement exploratoire, hein, mais ce que j'appelle l'interaction subconsciente. Euh, bon, vous connaissez sans doute le film Matrix hein, où, on, où on va en fait euh, la personne va être immergée dans un monde qui enfin, qui, le monde réel en fait n'est pas le monde réel c'est un monde qui est purement généré par des machines et qui est purement contrôlé par des machines l'idée c'est pas évidemment de reproduire exactement ce, ce qui se passe dans Matrix parce que c'est un, un petit peu quand même inquiétant enfin tout à l'heure on parlait d'éthique etc donc c'est voilà c'est je pense qu'on touche pas mal de choses là-dedans, euh, mais c'est d'aller vers quelque chose qui se rapproche finalement de, 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 de Matrix. Pour moi, c'est le rêve. Et euh, alors, pourquoi s'intéresser au rêve Parce que bah, dans, dans un rêve, qu'est-ce qu'on fait quand on, quand on rêve On marche, on court, on saute, on, 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 on agit d'une certaine manière. Et, euh, et, et, et l'intérêt, en fait, de, quand on rêve, c'est que on, comme il n'y a pas de stimulation sensorielle qui est, qui est menée, du coup, on ne tombe pas. parce que du coup ça veut dire que bah, si euh, je peux, enfin euh, moi ça m'intéresse pour la réalité virtuelle en disant bah, euh, dans la mesure en réalité virtuelle on est capable de tomber malade, on est capable d'avoir des, pro des problèmes quand même assez, assez importants, euh, si on est capable du coup de, de, de s'approcher du, du rêve, bah, du coup on est capable de supprimer finalement euh, un certain nombre de problèmes, en particulier tout ce qui est lié au cyber malaise. Il y a un autre... Un... peut avoir une dépense énergétique du corps qui va être équivalente à celle qu'il va avoir en éveil. Donc ça veut dire que bah, enfin, on, on, parfois on peut l'expérimenter, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une action par exemple qui est un petit peu stressante ou euh, lorsqu'on va se mettre à courir dans son rêve, on peut avoir le battement de cœur qui va battre, enfin, qui va être plus rapide. Euh, on peut éventuellement transpirer. Enfin, voilà, on peut avoir une réaction du corps alors que notre, nos, nos muscles ne, 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 ne sont complètement inactifs. proche de ce qu'on va avoir dans la, dans la réalité donc ça c'est intéressant parce que ça montre que bah, dans un rêve on est vraiment pleinement euh, dans son rêve, on est pleinement de, dans l'action en fait de ce qui se passe dans le rêve et sans réalité virtuelle c'est important évidemment pour euh, générer une, 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 euh, ce qu'on appelle un sentiment de présence c'est-à-dire euh, pouvoir euh, avoir un comportement qui va être réaliste, c'est-à-dire semblable à ce qu'il y a dans la réalité et enfin, il y a un autre euh, point intéressant avec le rêve, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides, euh, des états de rêve que, que l'on peut apprendre. Hein, on est capable d'apprendre à faire des rêves lucides. Et il y a des chercheurs qui ont montré, par exemple, que bah, lorsqu'on s'entraîne à une tâche dans un rêve lucide, par exemple, si, je, si, je, si on demande à quelqu'un, euh, à un sportif, de s'entraîner à faire un sprint, par exemple, sur, euh, sur 100 mètres, euh, le, le plus vite possible, en rêve lucide, il est capable, de, il pourra être capable d'avoir une performance. Euh, aussi bonne, voire supérieure à quelqu'un qui se sera réellement entraîné. Et cela sans bouger de son lit, entre guillemets. Et donc ça, c'est intéressant parce que, enfin euh, tout cela, c'est intéressant parce que du coup, en réalité virtuelle, quelque part, bah, c'est un peu comme un rêve dans le sens où euh, on est dans un monde virtuel. Donc, entre guillemets, on fait ce qu'on veut dans ce monde virtuel, on peut euh, donner, lui donner l'aspect que l'on veut. Mais du coup, si on est capable... En réalité virtuelle, de produire un peu les mêmes effets que dans un rêve. Donc, c'est-à-dire si on explore les mécanismes des rêves et si on arrive à comprendre un petit peu c'est quoi, pourquoi est-ce qu'il a une diff... enfin, pourquoi qu réalité virtuelle on n'a pas les mêmes effets qu'en réel ou qu'en dans un rêve. Donc, il y a une différence entre les rêves et l'immersion virtuelle. Si on arrive à définir des méthodes d'interaction, euh, dit, à transposer en fait ce qui se passe dans un rêve à la réalité virtuelle, dans ce cas-là, on va supprimer quasiment tous les problèmes. Enfin, je pense qu'on va supprimer tous les problèmes qui qui font que la réalité virtuelle, pour un moment, elle, est, elle peut être rejetée par certaines personnes. Et donc, l'idée, justement, d'utiliser de, 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 cette, cette, ce rêve-là, ou cette interaction que j'appelle subconsciente, là, c'est justement pour améliorer, encore une fois, l'expérience utilisateur. Alors, pour conclure cette présentation-là, je crois fortement à, 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 à remettre l'humain au centre de l'interaction, c'est-à-dire que euh, y a, en plus on voit une tendance qui est de, de plus en plus proche, même dans la communauté de la réalité virtuelle, hein, qui est une communauté très informatique. Euh, il faut imaginer que c'est euh, la section CNU27 ou euh, section 7 du CNRS, euh, donc on est vraiment dans, dans l'informatique et dans, voilà, dans, dans, dans le codage. On s'en fout un peu entre guillemets, de l'humain, mais on voit une tendance justement à remettre l'humain au centre de, de, de l'action. Et euh, je suis convaincu qu'il faut avoir une interaction un peu plus proche entre les, les ingénieurs, c'est-à-dire les informaticiens ou entre autres, et les sciences humaines, parce que pour moi, il y a vraiment un couplage intéressant à, à avoir. Et donc, même si c'est encore nouveau, cette idée-là de personnaliser l'interaction, donc, ça donne beaucoup de travail, donc c'est très bien pour nous, il y a beaucoup de perspectives. Mais du coup, je crois finalement à ce triptyque entre l'IA, le RV et le sport, pour revenir un peu au sport, où en fait, bah, l'IA, on ne va pas l'utiliser dans le sport comme, comme, comme ça a été fait dans les autres présentations, mais on va l'utiliser pour améliorer finalement cet outil qui s'appelle l'ARV. Et du coup, l'ARV bah, va être sans doute plus performante pour, pour, des, pour des personnes qui sont dans, dans le domaine sportif. Voilà un petit peu ce que, ce que je voulais vous présenter. J'espère que j'ai tenu le temps là en 20 minutes. Merci Jean-Rémy. Euh, je vois déjà qu'il y a une question qui euh, donc Alexandre euh, des, des Oui, merci. Euh, bonjour. Donc, je travaille à l'INSEP sur, sur pas mal de problématiques liées au numérique et à la performance, et, et, et suite à votre présentation, je m'interrogeais. Là, vous, vous parliez de l'avatar sur la fin, mais est-ce que vous avez travaillé sur d'autres types d'interactions entre la personne et, et l'environnement immersif dans le, lequel elle se situe, euh, qui, qui seraient des objets intermédiaires type capteur, pour lui amener des réponses face à ces interactions dans cet environnement-là? Typiquement, je vais, je vais essayer de taper une balle, donc j'ai une vibration via capteur sur le pied ou ce, ce genre de choses. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Ah <laughs> J'ai l'impression qu'on a dû le perdre, euh, oui. Ah, ben ça y est, il est en train de se reconnecter. Je sais pas s'il Est-ce que tu as, est que as entendu la question Non, mais en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le, le Zoom s'est fermé. Et du coup, j du oui, mais ça, les choses là. qui arrivent ce sont des choses qui arrivent. peut-être poser la question rapidement, ouais. parce que du coup, oui. euh, je pense qu'elle n'a pas été entendue. Bien sûr. Euh, je je m'interrogeais, vous parliez des avatars euh, tout à l'heure, mais je m'interrogeais si, sur le fait que vous ayez pu travailler sur d'autres types d'interactions qui pourraient avoir lieu entre l'utilisateur et, et le milieu dans lequel il est immergé euh, pour, euh, pour apporter une réponse à, 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 à son interaction avec l'environnement. Je donnais l'exemple, par exemple, du foot. Est-ce que. Euh, euh, vous avez travaillé sur des capteurs par exemple qui permet lorsque je vais vouloir toucher la balle d'avoir la sensation que je la touche ou bien que je tire ou, ou ce genre de choses oui oui bien sûr c'est ce qu'on a fait dans le cas du cheval par exemple que j'ai montré tout à l'heure où ouais. euh, on a effectivement donc là l'idée c'est d'utiliser du retour d'effort et donc on a, on a mis un certain nombre de, de, de composants électroniques des moteurs mais aussi des capteurs qui permettent du coup de savoir en fait à quel moment c'est euh, l'utilisateur qui va, enfin le, le meneur qui va tirer sur le cheval, ou au contraire c'est le cheval qui va tirer sur l'utilisateur. Euh, mais on est capable aussi justement de mettre des capteurs. On a fait ça avec la boxe il n'y a pas très longtemps, euh, où euh, bah pour simuler, on a, on a mis un, un, un sac de boxe par exemple, et on a mis des capteurs dans le sac. Et du coup, quand la personne tapait dans le, dans le sac, du coup, en réalité virtuelle, on avait effectivement. On affichait une vraie un avatar virtuel, et du coup, quand la personne tapait dans le, dans le sac de boxe, il avait l'impression en fait, de taper sur la personne et pas sur un sac. Voilà. OK. OK, merci.